Eh bien salut à tous et bienvenue mes chers amis gamers et gameuses, c'est Bifa24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien et j'espère surtout les amis que vous pétez la forme parce que ça c'est le plus important. Ce matin les amis, on se retrouve pour un nouveau stream. On va recommencer la série A0 sur Scum pour la simple et bonne raison que le format que j'avais upload sur ma chaîne YouTube ne me correspondait pas. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous incite à regarder la vidéo, comme ça vous comprendrez plus en détail pourquoi je recommence la série. Donc en gros, mon personnage s'appelle Guillaume Gringo. Je crois qu'il a 30 ans, un truc comme ça, il me semble en tout cas. Et les amis, on va devoir déjà survivre sur le serveur de Scum RP France. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de ce serveur. De toute façon, le lien du serveur est dans la description de ma vidéo de présentation de mon personnage. Et vous aurez de toute façon toutes les informations, ne vous inquiétez pas. Donc en gros, je vous explique, on va recommencer la série à zéro. On va streamer tranquillement et après tout ça sera mis sur un logiciel de montage vidéo. Je vais faire plusieurs coupures pour faire des épisodes et ensuite je le ferai comme une série sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis pour les explications. Maintenant les amis, c'est parti, let's go. On va rejoindre le serveur en espérant qu'il fasse pas nuit. Sinon ça va être la tristesse les amis. Parce que la nuit c'est compliqué. Oh là là. Ah mais j'ai vraiment pas de chance. Faut sûr, c'est la nuit les gars. J'ai pris mon café là. Là j'ai pris mon café direct. C'est pour me donner de la force. Parce que là je vais en avoir besoin, c'est la nuit. On va regarder, je pense que pour vous les amis, pour la série etc. Ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de monter, voir si on peut pas monter le gamma ou un truc comme ça. On va attendre tranquillement. Ah non, il fait pas nuit, c'est bon, j'ai rien dit. Ok, c'est parfait les amis. Allez du coup, donc on va commencer les amis. Tranquillement à faire notre stuff, etc. Et à évoluer. Alors pour ceux qui ne savent pas, je me trouve dans le A0 les amis. On voit qu'il y a plusieurs petits trucs, etc. Donc on va pouvoir se booter tranquillement. Mais pour l'instant, on va commencer à faire les choses les plus essentielles. Donc on va commencer à crafter notre couteau improvisé les amis. Bien évidemment, c'est la chose la plus importante. On va faire comme ceci. Ensuite, le couteau, on va le ranger ici. Et on va le mettre sur une touche de raccourci qui sera donc ici. Ensuite, les amis, ce que nous allons tenter de faire tout de suite, c'est de couper... Alors déjà, on va fouiller ça. Voilà, il y a des olives. Donc ça, c'est parfait. On va en manger une petite olive. C'est très bon pour la santé les amis. Voilà. Et on va couper ceci. Je fais attention qu'il n'y ait pas des zombies, des trucs comme ça derrière moi, on sait jamais. Ok, donc là les amis, on a un long bâton, donc c'est parfait parce que on va fabriquer une lance improvisée. Comme ceci. Voilà. Et la lance improvisée, on va la mettre ici. Ensuite, le reste, on va le laisser ici. On s'en fiche un petit peu. Pour l'instant, c'était ce que je recherchais le plus. Donc maintenant, les amis, ce que nous allons tenter de faire, eh bien, ça va être de tuer quelques zombies pour avoir des vêtements. Et avec ces vêtements, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement essayer de nous faire notre première arme de distance qui va être l'arc les amis. Donc c'est parti. Sauf que là ils sont un peu nombreux quand même. Je vous avouerai que j'ai pas envie de me faire attaquer par autant de zombies. Il y en a beaucoup même. Oh là là. Alors attendez. Ah ouais, là il y a une horde de zombies les amis. Là c'est une horde carrément. Aïe aïe. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Et là c'est carrément une horde de zombies. Hein. Ce que je vais faire à la limite c'est peut-être faire ça. On va foncer vers ici les amis tranquillement.
c'est un rocher, c'est rien. Là, on y va doucement parce que j'ai peur de me casser une jambe. On va looter ici. Des fois, il y a des insectes. Donc là, il n'y en a pas un. Et là, il n'y en a pas non plus. Très bien. Merci. C'est gentil. Alors, ce qu'on va faire, bah, du coup, on va passer par là. Hein. Alors, par ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, ils disent qu'il y a une ville qui se situe vers l'autre côté du pont. Donc, on va y aller tranquillement. Écoute, mon ami, si t'as envie de monter, moi je suis preneur, je te prends. Ça tombe bien, vous savez quoi? On va se les faire. On va se les faire, les gars. On va se faire ces zonzons, hein. Sans essayer de prendre des dégâts, bien évidemment. Salut toi. C'est bon. Ça s'est bien passé les amis. Ça s'est bien passé, c'est bon. Je suis pas mort ni rien. Tout s'est bien passé. Non, par contre, c'était fouiller le zombie que je voulais faire. Oh, le cadavre qui descend. Descends pas. Ok. Donc là, ce que nous allons faire, les amis, c'est qu'on va couper tout ça en chiffon. Ça va être pour construire notre arc. Voilà, une bougie, mais j'ai envie de te dire que ça sert à rien. Bon, les boulons, on s'en fiche un petit peu aussi. Donc, tac. On va déchirer ceci également. Ça c'est parfait les amis, il me faut 5 petites bandes sales pour faire une corde improvisée. Donc on y va tranquillement les amis. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait les amis. Et donc bien évidemment, la corde improvisée qui est ici, c'est pas ceci que je voulais faire. C'est quoi ce beans? Allez là, c'est bon. Hop. Donc on va attendre tranquillement qu'il le fasse. En attendant, je vais boire mon petit café. Ok, donc on va manger ça. Au pire des cas, tu peux pas le prendre sur toi, mais on va faire ça comme ça. Maintenant, mon ami, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas couper ça. Parce que là, au fait, ce qu'il nous faut absolument, les amis, c'est un... Oh, ils sont TP. Oh non. Oh non. J'ai plus d'énergie les gars. Oh c'est pas vrai. Il va falloir que je coupe mes vêtements. Aïe. Vous êtes conscient qu'à cause de vous, je vais devoir couper mes vêtements? Vous êtes vraiment méchants. Mais vraiment, vous êtes des méchants. J'ai... Bah du coup, ouais, j'ai lâché mon couteau, les gars. Alors attendez, j'ai mis ça ici. On va chercher des pierres. Alors attendez, parce que là, il faut vite se dépêcher. J'ai perdu pas mal de sang.
Hop, ok. Donc là, vite, on va se fabriquer, les amis, un couteau improvisé. J'allais dire apprivoisé. Je sais pas ce que j'ai avec mon apprivoisé. Parce que là, regardez, mon métabolisme, si on regarde, j'ai C2, C3, les amis. Donc là, il faut vite se dépêcher. Tac. Donc là, on va se mettre ici. On va prendre ceci, on va déchirer en chiffon. Et on va se soigner. Ça, c'est mon problème, c'est que j'arrive pas à gérer correctement. Comment dirais-je? J'arrive pas à gérer correctement ma barre de stamina. C'est mon gros défaut, quoi. Donc là, vous inquiétez pas, on va survivre. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Parce que là, j'ai coupé certains de mes vêtements que j'avais pas besoin. Par exemple, ça, pareil, on va le couper en chiffon. Tant pis. De toute façon, c'est pas des vêtements importants, en fait, ce que je viens de couper. En fait, le slip et le maillot de corps, c'est pas des emplacements, en fait. Donc, tu peux les utiliser pour... Bah, tout simplement pour faire des chiffons afin de te soigner. Donc, c'est ce que nous allons faire. Tranquillement. Ouais, et ce que je vais faire, c'est que bah, vu que j'ai à couper mes vêtements, on va pas les couper pour rien. Bah, du coup, je vais même si les C1 ça se soigne tout seul, on va quand même les utiliser. Comme ça, moi je vais saigner beaucoup moins, je vais récupérer beaucoup plus rapidement. Et au moins, ça tranquille, les amis. Voilà. C'est vraiment dommage hein, de. Ouais, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Là, forcément, j'ai perdu un petit peu en couleur. Hein. Je suis pas très bien, je suis un peu en PLS. Juste, c'est où que j'avais coupé le... Attendez, faut pas que je cours. Déjà, on va fouiller un petit peu les cadavres. Là, ne vous inquiétez pas, il va récupérer. Hein. On va fouiller également ici. J'ai de la ficelle, ça c'est parfait les amis. La ficelle c'est très important, hein. Le fil, faut le garder. Hein. Maintenant ce qu'il faut qu'on fasse là, c'est qu'on recherche là où on avait coupé au tout début le bois. Je crois que c'était quelque part par ici, il me semble. Ah ça change de couleur, hein. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. On va se mettre à la première personne, je vais regarder correctement par terre. Même si c'est un peu compliqué avec la couleur que j'ai. Bah, il me semble que c'était plus vert ici, je crois. Hein. Sinon, je vais couper, hein. Je vais pas perdre de temps, hein. Je te le garantis. Je vais pas perdre de temps. Salut mes filles. Non, j'ai recommencé à zéro, l'ami. J'ai recommencé à zéro parce que le format de ma vidéo ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Donc du coup je recommence à zéro et je vais faire comme une série, tu vois, je vais reprendre le stream. Je vais le mettre sur mon logiciel de montage vidéo et je vais faire en plusieurs épisodes. Et on va se faire un petit truc sympa. Donc là les amis, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va se fabriquer notre arc. Donc c'est parti, let's go. Voilà, comme ceci. Donc l'arc, on va le mettre ici. Alors attendez, je vais juste faire comme d'habitude. Moi j'aime bien mon arc en premier et ça ici. Donc ensuite, ce que nous allons faire, on a des petits bâtons, petits bâtons, petits bâtons, long bâton, on va couper le petit bâton. Donc les petits bâtons sont là, on est d'accord. Hein. Voilà. On court pas. Donc là, on va découper le zombie. C'est horrible. Mais les amis, dans la survie, il n'y a pas de pitié, les gars. Donc là, les hémorragies commencent à se soigner. Donc c'est parfait. Voilà. Donc à partir de là, les amis, ce que nous allons faire, eh bien, ça va être très simple. On va se faire...
Alors, il nous faudrait ceci. Donc là, c'est vrai qu'il va nous falloir un kit de couture. Alors, c'est très bien parce que je vous rappelle qu'on a ramassé déjà un fil sur le cadavre d'un zombie. Donc, c'est parfait. Donc, on va se faire une petite aiguille. Et avec ceci, on va se faire donc un kit de couture improvisé. Et à partir de là, les amis, tranquille. On va pouvoir se faire notre fameux petit arc sympatoche. Donc là. Non, ah non, c'est pas ça que je voulais faire, les amis, excusez-moi. C'était pour faire un carquois. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. C'était pour faire un carquois. Pour les flèches, les amis. Donc on va faire ça. Voilà. Donc le carquois, on va le mettre ici. Donc là, on va commencer à prendre également certaines choses. On va prendre une veste, déjà pour avoir moins froid. Le petit kit, on va le mettre ici. On va prendre une petite casquette. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Et ensuite, je vais quand même... je crois que je vais prendre... Oh, attends. Pourquoi il veut pas couper l'os comme ça? Bon, c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Ça doit être un petit bug, c'est pas si grave que ça. On va le faire comme ça directement. Voilà, sans je cours pas ni rien, j'attends que mon son. Le son. Enfin, le son, oui, c'est ça. Le sang remonte. Tout va bien se passer. Le son, oui, bien sûr, Mifa. Oui, bien sûr. Non, le sang qui remonte un petit peu, on va attendre tranquillement. Parce que là, je vous avoue qu'on est, on est un petit peu mal en point. Mais ça va remonter, regardez. C'est bientôt fini. Il va récupérer tranquillement. On le voit au niveau de la couleur aussi, on récupère. Juste là, il faut que je retrouve, voilà, mes bâtons. C'est plus vers ici, hein. Donc là, les bâtons, on va les transformer en flèches, les amis. Pour notre arc. Ah. Mais là, il est en train de dire qu'en gros, il vient d'être cassé mon truc. Ok, c'est mon petit caillou, hein. C'est mon couteau improvisé, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, je l'avais déjà fait ici, je crois, la pierre. C'est où que j'ai pas fait? Je crois que c'est là. Donc là, j'en ai une. Et de deux. Il y en a même plusieurs, c'est parfait. On va se refaire un petit couteau. Comme ceci. À partir de là, les amis, pareil, on va mettre... Alors le couteau, on va peut-être le mettre en attendant vers ici. Donc là, on récupère nos couleurs, on récupère notre santé, forcément, parce que dans le métabolisme, les amis, comme vous avez pu constater, on est passé de non traité à traité, donc la stabilisation. Et de la stabilisation, quand vous attendez, il ne faut pas courir, bien évidemment, sinon vous allez rouvrir votre plaie. Eh bien, vous allez récupérer directement ici. Donc c'est parfait, c'est une excellente nouvelle. Juste, on va essayer de revenir vers là où il y avait les bâtons. Je crois que c'était plus vers ici, hein. Exactement, c'était vers ici. Donc là, on va construire tranquillement des flèches. Et on va faire ceci. Voilà, déjà notre arc, les amis, il a déjà des flèches basiques. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on va commencer à avancer un petit peu. On va aller au niveau du village. Voir ce qui se passe, les amis. J'en ai 4. Je pense que 4, honnêtement, ça va pas suffire, les amis. 4, ça suffira pas. Il nous en faut plus. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Jean-Francis, là? Il m'a vu de loin, lui. Hein. Vous avez vu? Petit coquinou. Tu crois que je t'ai pas vu ou quoi? On va couper les longs bâtons.
Alors le mieux après avec les flèches en bois, les amis, c'est de trouver des... Il est passé où? C'est de trouver des plumes pour améliorer nos flèches. Comme ça, les flèches, elles seront beaucoup plus précises. Mais ça, les plumes... Alors les plumes, le plus facile, c'est d'aller dans un endroit où il y a du foin. Là, vous êtes sûr d'en trouver. Sinon, bah, y a une autre façon, c'est de... Bon, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'avais une lance improvisée par terre, les amis. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais sinon, ouais, j'allais dire, c'est pareil. Après, vous pouvez en trouver, comment dire, directement dans des endroits, un petit peu dans les fermes, où il y a, vous savez, des grosses cages. C'est comme des... Je pense que c'est des cages à poules. Et là-dedans, vous trouverez directement, eh bien, des plumes. Donc là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller à gauche. On va aller tranquillement essayer de se loot. Parce que je vois qu'il y a pas mal de choses. Donc à mon avis, on va pouvoir récupérer plein de trucs. On va regarder au niveau du métabolisme. Alors là, pareil, les amis, c'est très important, le métabolisme. Il faut faire très attention à tout ce qui est niveau protéines, glucides, graisses, fibres, sucre, graisse sat et alcool. Bon, l'alcool, bien évidemment, c'est quand tu bois, hein, quand tu te torches la tronche. Voilà, j'ai envie de te dire que c'est normal. Là, par exemple, j'ai... ça se voit pas tellement sur mon écran, mais j'ai 40 kilos, donc 59% de muscles. Donc ça donne 40 kilos de muscles. Et au niveau de la graisse, je suis à 26%, donc ça fait 17. Donc 40 plus 17, ça fait 57 kilos, le poids de mon personnage, en gros, si vous préférez. Donc il y a un système de vitamines, là pareil, vous ne voyez pas à cause de ma webcam, mais il y a un système de vitamines... Attendez. Là, vous voyez, ben non, du coup. Donc il y a un système de vitamines, et là, un système de minéraux qu'on va devoir gérer également. Et ensuite, vous avez donc l'estomac, l'intestin, le côlon et la vessie. Donc c'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous allez manger, boire, etc., il va falloir faire caca et pipi et forcément faire attention lorsque vous mangez parce que sinon vous pouvez avoir une indigestion ou autre et vous allez devoir vous forcer à vomir parce que sinon votre ventre va éclater. Je crois qu'il y a un zombie là-bas, on est d'accord. Hein. Oui, on est d'accord. Donc on va avancer tranquillement. Je vous rappelle qu'on est sur un serveur RP, les amis. Donc il y a des règles à respecter, déjà, premièrement. Et ensuite, les amis, bien évidemment, on ne tue pas n'importe comment. Et lorsqu'on croise des joueurs, on essaye de jouer un minimum RP. Ce qui est tout à fait logique. Oh, il y a plein de zombies. Je veux la discrétion. Attendez une chose là. J'ai pas fait l'inverse, les gars. Merde. J'ai fait l'inverse, les gars. Attendez. La ville, elle était là-bas. J'ai fait n'importe quoi, les amis. Donc elle est juste devoir l'affronter. S'il s'approche trop de moi, je dois l'affronter, les amis, ok? Ok, c'est bon. Il s'est calmé. J'ai fait n'importe quoi, les amis. C'est bien ce que je pensais. La ville était sur la gauche. Aïe, 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 Mifa. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tout va bien se passer, l'ami. T'inquiète pas. Ok, donc on y va directement à la ville, les amis. On perd pas de temps. J'étais dans le bon sens. J'avais complètement oublié. Quand j'ai apparu sur la map, effectivement, c'était là où j'étais.
J'ai rien cassé, hein. Bon, c'est bon. On sait jamais, hein. On va s'approcher de l'eau, les amis. On va aller boire un petit coup, vite fait. Hop, et on va boire un petit coup. Voilà, parfait. Alors, il a fait un truc que j'aime pas. Voilà, c'est qu'il m'a inversé. Je sais pas pourquoi à chaque fois il fait ça. J'aime bien avoir l'arc en premier, au fait. Toujours. Donc là, les amis, on y va tranquillement. En fait, très attention, ça sert à rien de courir devant les zombies parce que les zombies, il y en a certains qui peuvent vous attraper. Hein. C'est-à-dire qu'ils vous rattrapent en 2-2. Hein. Donc n'essayez pas de faire le warrior, hein, ça sert à rien. Il vaut mieux jouer la discrétion des fois, les amis. Et de les abattre un par un, quoi. Au moins, vous êtes sûr d'être tranquille. Y a rien. Y a rien non plus. Faut quand même regarder ici. Ah là, il y a quelque chose. Donc ça c'est pareil quand vous faites un CTRL, c'est pas il faut pas trop le dire comme ça hein. Mais là quand vous comme vous pouvez constater par exemple la figue de barbarie, ça vous donne des minéraux. Donc c'est très important bien évidemment. Un petit peu de vitamine mais pas grand-chose. Ça vous donne au niveau total glucide, donc ça vous donne de la fibre alimentaire, ce qui est déjà pas mal, et puis c'est tout. Et après ça vous donne bien évidemment de l'eau, ce qui me paraît logique. Après il y en a qui savent pas, mais tout ce qui est à base de cactus, etc. dans la vraie vie, ça fait exactement ça, hein. Ça vous donne de la flotte. Hein. Ok, donc là on s'approche d'un endroit... Je vais regarder un petit peu sur la carte. J'ai pas l'impression que c'est une construction d'un joueur ou autre. Normalement, c'est une ville. Ou un ancien... une ancienne structure.